Aujourd'hui, je vous emmène en prospection au girolles. Et là, nous avons les premières girolles. Ici, on a une petite pousse. Là, une qui commence bien à pousser. On en a une autre ici. Et là, si je pousse, regardez. Là aussi. Donc je vais fouiller un peu le coin et je vous reprends juste après le générique si je trouve autre chose. Et dire que là où j'étais dès le début, j'ai un petit peu bougé ici comme ça les feuilles, et surprise, quand je bouge un petit peu, c'est pas magnifique tout ça, bien planqué sous les feuilles et la terre de la belle girolle. Je vais ramasser tout ça et je vous reprends un tout petit peu plus loin si je trouve autre chose. Là je suis un petit peu en équilibre, en pente. J'en ai vu une ici. Là, il doit y en avoir une autre. Je vais essayer d'y aller tranquillement, sans me casser la figure, parce que là, j'ai pas pris de bâton. Ah oui. Sympa hein, sous les feuilles. Une bien belle. On va voir s'il n'y a pas autre chose. Mais déjà, celle-ci est pas mal. En voilà quelques-unes encore. Fort sympathiques. Bien cachées au milieu des feuilles. On va bouger les feuilles si on n'en voit pas d'autres. Donc là, il y a celle-ci. Après, je vais voir si je peux faire le tour de l'arbre. Sans me casser la figure. Il y en a encore une belle ici. Apparemment, ça finit avec celle-ci. Je suis en train de regarder si j'en vois pas d'autres. Mais sinon, ça commence super bien à sortir. Merci à la pluie ces derniers jours. Et franchement, celle-ci, sur le chemin du retour, bien cachée, le long d'un chemin, on pourrait passer plusieurs fois devant. Sympathique celle-là. Bon ben je vais finir ma petite prospection au girolles ici. Pour un début de saison, ça commence tout doucement, mais comme vous pouvez le voir, il y en a quand même qui sont une belle taille. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite un bon visionnage et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous au passage. N'oubliez pas de laisser un petit pouce. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles cueillettes. Ciao, ciao!